Bom dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième réveil dans la belle ville de Porto, ici au Portugal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Donc n'hésitez pas à me rajouter. Je poste plein de stories en live, des photos, bref, plein de contenu. Si vous voulez voir ou revoir, pourquoi pas, mes aventures précédentes, allez checker dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Vous allez trouver toutes mes aventures Turquie saison 1, Turquie saison 2, Amérique latine, Maroc, etc, etc. Je vous fais le topo très rapidement. Ce matin, j'ai pris, enfin ce matin, il est midi 22, donc aux alentours de 11h30 comme ça, j'ai pris un bus du centre de Porto qui m'a coûté 2 euros, et je suis arrivé ici à Foz do Douro. C'est vraiment pas loin, ça prend 30 minutes en bus du centre de Porto. Alors petit tips, j'ai une carte de transport que j'ai achetée à l'aéroport. Cette carte se recharge. Si je l'avais rechargée, cela m'aurait coûté 1,25€. Voilà, je vous donne le petit tips du jour. Mais bon, j'avais pas envie de perdre de temps, de sortir du bus, etc. Donc dans le bus, le ticket m'a coûté 2 euros. Et c'est très drôle parce que j'ai une petite histoire de voyage à vous raconter. J'étais en train de prendre des plans en début de journée, voilà, je voulais prendre le bus, etc. Et en fait, il y a une dame qui me dit: qu'est-ce que tu fais, me filme pas, etc. Je dis: mais je vous filme pas, je filme le paysage, le bus, voilà. Et elle me dit: j'appelle la police si tu continues de filmer. Je lui dis: mais non, mais madame, en fait, moi, ce que je veux, c'est montrer la beauté du Portugal. Vous inquiétez pas, je vous filme pas, j'efface, il n'y a aucun souci. Et donc, je suis monté dans le bus, on a commencé à discuter. Et bien évidemment, je l'ai joué en mode tranquilo, je lui ai expliqué ce que je faisais exactement, etc. Et on a sympathisé vraiment, et c'est devenu ma mère spirituelle portugaise. Le temps d'un trajet de bus, elle m'a montré Porto, elle m'a dit: regarde, ici c'est l'université, ici c'est l'hôpital, ici c'est l'église Intel, etc. Après on est descendu du bus, elle m'a dit: regarde, ça c'est le Mercado do Douro, c'est le marché à côté de la plage, un marché mais magnifique, là je viens d'y passer. Et après elle m'a dit: comment tu rentres après sur Porto? Je lui dis: bah, je vais peut-être rentrer en bus ou en trottinette, je sais pas, parce que c'est pas très très loin. Le problème c'est que j'ai plus de transport sur ma carte, je peux pas recharger. Elle m'a dit: attends, viens, je t'emmène dans un endroit. Elle a rechargé ma carte sans rien que je demande, parce que j'avais plus de monnaie en fait. Je dis: non, non, mais je veux pas, madame. Elle m'a dit: si, 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 si. Elle m'a rechargé ma carte, quoi. Elle m'a payé 1,25€. Enfin, trop gentil les gens ici. Donc voilà, encore une belle histoire de voyage. Et c'est ici que je commence cette exploration du jour à Foz do Douro. Donc on va se balader un petit peu. Et puis ensuite, je pense qu'en milieu d'après-midi, on retournera côté centre de Porto. Et cette fois, j'aimerais bien traverser le pont Dom Luís pour aller de l'autre côté et si possible admirer la vue donc de Porto dans les hauteurs. Mais c'est toujours en mode quand on est prévu. Je tiens à remercier aussi Cambly qui est le sponsor officiel de cette aventure au Portugal. Cambly qui vous permet d'apprendre l'anglais, de perfectionner votre anglais. Tout est dans la barre de description comme d'habitude. Vamos, let's go. Alors ça c'est la première vue que j'ai eue hein, en descendant la rue. Donc l'arrêt de bus est vraiment pas loin hein. Il est à 3 minutes à pied du début de la plage. Le marché est sur le chemin. Et regardez les vagues, hein. Les vagues sont bonnes ici, hein. Tu sens que c'est l'Atlantique, tu sens que tu peux surfer sur la côte. Le temps est vraiment en rendez-vous, ça fait super plaisir. On est mi-février, hein. Et je peux vous dire qu'il fait super bon au Portugal. J'ai vu un mec qui était carrément en maillot de bain là sur la plage. Véridique. Si c'est pas trop sympa là, ces petits cafés ici. Superbe. Il y a une ambiance vraiment relax hein, qui se dégage de Porto. Oh là là, le kiff quoi. Les pieds dans l'eau. Alors comme d'hab, hein, j'ai pas de plan. Je le fais à l'instant. Tu sais, c'est comme quand t'es étudiant et que tu vas au partiel sans avoir révisé. Tu fais ça au talent. J'ai pas souvent fait ça, mais ça m'est arrivé. Est-ce que ça m'a porté chance? Je me souviens plus. En voyage, c'est le bon plan à faire. Hein. Parce que le meilleur plan, comme on dit, c'est de jamais en avoir.
Era uma chuvinha, tá? Desde sempre. Tá bem, pronto. Ainda estavas tu em Conambeim? Já estava em Conambeim. Com 70 anos estava em Conambeim. Com 70 anos. 8, 9, 10. Está bem. Comme je dis tout le temps en voyage, il n'y a pas d'heure pour manger. Il est 15h. Et j'avais tellement kiffé en fait le petit mercado ici là, mercado do Duro, que j'ai décidé de revenir manger. Aujourd'hui je fais pas dans l'original, j'ai pris un hot dog. Bon, ce n'est pas une spécialité portugaise hein, le hot dog, mais bon, ça me donnait vraiment envie. Donc du coup, histoire de casser la croûte, tranquille. Hein. J'ai pas trouvé de petits restos typiques, voilà, ici c'est que des petits snacks, des petits bars, des petits concepts assez sympas. J'ai vu de l'açaï juste en face. Je pense que je vais me laisser tenter en dessert. Ça m'a coûté 5 euros ce hot dog. Voilà, donc après il y a plusieurs types. Hein. Moi je sais pas, je dis donnez-moi le plus traditionnel. Moi j'aime bien prendre dans les traditionnels, histoire de ne pas être déçu. Les classiques. C'est très très bon. C'est un pain toasté, croustillant. Ils ont mis, je sais pas, comme une sorte de chapelure en fait dessus, ce qui rend croustillant. Il y a une tranche de fromage, une saucisse et une tranche de jambon. Bon appétit. C'est vraiment super agréable. Hein. Regardez, je suis attablé là. C'est juste trop beau. Et la décoration, les couleurs de ce petit marché sont juste magnifique. Ça me fait penser d'ailleurs au marché du Lez que j'ai visité il n'y a pas longtemps à Montpellier. Alors beaucoup plus petit, hein. Beaucoup beaucoup plus petit version portugaise. Hein. Il y a moins de stands de street food, etc. Mais c'est trop classe quoi. Tu te balades en bord de mer comme ça et puis ensuite tu peux venir casser la croûte. Après il y a des restaurants aussi en bord de mer qui sont très très sympas. Hein. Mais j'avais vraiment envie de revenir ici. En tout cas je suis vraiment sous le charme de Porto. Hein. C'est une ville extraordinaire qui regorge d'un potentiel. Au beau souvenir du Brésil, un açaï, la glace typique made in Brazil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'açaï, sachez que c'est l'un de mes péchés mignons. Qu'est-ce que j'ai pu en manger lorsque j'étais au Brésil? Alors ici c'est pas donné, hein. Ça m'a coûté 6,90, c'est-à-dire plus cher que mon hot dog. Pourquoi? Il y a une raison. Au Brésil, c'est pas cher du tout. Alors oui, déjà, c'est question de monnaie, hein, forcément. La monnaie brésilienne est moins forte que l'euro. Mais pas que. C'est un fruit, à la base, qui est importé donc, du Brésil parce que ça pousse essentiellement en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Ils ont beaucoup d'açaï. Et avec l'açaï, ils en font des glaces, ils en font des boissons, ils en font de l'alcool. Oui, il y a de l'alcool d'açaï, un peu comme du vin. Donc au Brésil, vous trouverez vraiment plein de produits dérivés à base d'açaï. Mais ça c'est mon péché mignon. Açaï, granola. C'est censé te donner de l'énergie, l'açaï. Après, est-ce un mythe ou une réalité? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vais aller kiffer ce petit açaï là, tranquille. En face de la plage là, elle est à 200 mètres. Caranguejo, cocó, que está aí.
Je ne sais que vous dire, à part que c'est juste magnifique, hein. Les bords de mer ici, à Foz do Douro, alors que ce soit côté droit ou côté gauche, donc le côté qui revient vers le centre de Porto quand on regarde la mer, moi j'appelle ça le côté gauche, et ben les deux côtés sont juste sublimes. Donc moi j'ai commencé par le côté droit. Je me disais bon, je vais me prendre une petite trottinette pour rentrer au centre de Porto, mais depuis tout à l'heure j'arrête pas de me dire non, je continue à pied parce qu'en fait c'est juste trop beau quoi. Chaque endroit est différent. C'est constitué d'un magnifique bord de mer avec des places, par moments il y a des petits cafés comme ça. C'est fantastique. Franchement, se promener juste ici, c'est fantastique. Je suis absolument pas pressé, hein. C'est juste que j'aimerais bien arriver avant le coucher du soleil. Mais là, en fait, si je vais jusqu'au pont Dom Luis, de cet endroit précisément, j'en ai pour 1h10 de marche. Ce qui est pas énorme en soi, surtout quand la balade est aussi agréable que ça, quoi. Et surtout quand le temps se prête au jeu. Et c'est vrai qu'avec une petite trottinette comme ça, c'est sympa aussi. Fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une excellente journée encore à Porto. Le coin de Foz do Douro est magnifique. Si vous avez l'opportunité un jour de visiter Porto, allez faire un petit tour du côté de la plage. C'est sublime, je me suis régalé malgré quelques petites galères techniques. Oui, puisque lorsque j'avais fini ma petite balade, hein, il n'y avait plus de front de mer, je me suis dit à partir de là, je vais prendre une trottinette et puis je vais rentrer direction le centre de Porto. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié. Alors pendant un moment, j'ai cru même que je les avais perdus, vu que je suis un peu tête en l'air. J'avais oublié mes batteries. Pour la simple et bonne raison que ce matin, j'ai dû faire mon check-out. J'ai changé de chambre, je ne suis plus dans la même. Comme j'ai décidé de rester deux nuits supplémentaires ici à Porto, j'ai dû faire mon check-out pour faire mon check-in dans une autre chambre. Et donc ce matin, lorsque j'ai fait mon sac à dos, j'ai dû glisser mes batteries en fait dans mon sac à dos. Et vu qu'après j'ai discuté avec le manager de l'établissement, quand je suis parti, j'ai pas fait attention de voir si j'avais tout mon matériel, ce qui m'arrive très rarement. Quand j'ai vu que j'avais ma caméra en fait, mon drone, etc., hop, j'ai pas vérifier si j'avais mes batteries, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire que ça me permettra d'être plus vigilant à l'avenir. Donc heureusement que ma batterie principale a quand même tenu une bonne partie de la journée, ce qui m'a permis de vous faire de belles images à Foz do Douro. En ce qui concerne la trottinette, pour ceux que ça intéresse très rapidement, c'est vraiment très simple à louer. Faut télécharger donc l'application et ensuite il faut pas rentrer sa carte d'identité ou quoi que ce soit. Non, vous rentrez juste vos identifiants de carte bleue et après ça coûte 1€ la location et 10 centimes à la minute. En 20 minutes, je suis rentré dans le centre de Porto. Après, j'ai marché pour aller récupérer mes batteries et ensuite j'ai rejoint mon ami Paul que vous aviez découvert durant la saison de Turquie, qui est aussi en ce moment au Portugal. Sauf que là est intervenue la deuxième galère, puisque je viens de m'apercevoir que tous les rushs que j'ai tournés en fin de journée, eh ben il n'y avait pas de son. Donc voilà, on parle, on fait nos trucs, je vous fais les petites présentations de lieu, mais pas de son. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On s'est rejoint à l'entrée en fait du fameux pont Dom Luis, alias le Monsieur de Fer. On l'a traversé, d'ailleurs la vue est très jolie, il y a même le métro qui passe dessus, c'est sublime. Et on s'est retrouvé
de l'autre côté. À partir de là, en fait, on a monté un petit peu, on a rejoint un vieux monastère avec une église, et de là, on avait une vue panoramique sur tout Porto avec les couleurs de fin de journée, là, le petit coucher de soleil qui commençait à arriver. C'était juste sublime, donc ça vaut vraiment le coup. Faites-le en fin de journée ou pourquoi pas aussi en début de journée. Je pense qu'avec les couleurs comme ça du lever de soleil, ça doit être aussi très sympa. Mais il faut pouvoir se lever. Mais en tout cas, en fin de journée, franchement, on a trop kiffé. Et ensuite, on est descendu 200 mètres plus bas. Et là, il y a un petit coin avec une pelouse où les gens se posent et puis achètent des boissons dans le bar d'en face. Et puis, prennent un peu l'apéro en face du coucher du soleil. Il y a un mec qui joue de la guitare. Donc, il y a vraiment une bonne ambiance. On se croirait en vacances, quoi. Une ambiance détente et relaxe. Et à partir de là, on a descendu, en fait, les escaliers pour rejoindre, donc, l'autre côté du Douro, juste en face de Ribera. Donc, le quartier de Villanova. Et, en fait, sur les docks, sur les quais du Douro, il y a tous les entrepôts de Porto, donc le Porto, l'alcool de Porto, le fameux vin de Porto qui est produit donc dans la région. Et puis donc on a visité ce coin-là qui est vraiment très sympa et de nuit qui est très joli puisque on a toutes les couleurs, en fait tout est illuminé, même le pont Dom Luis est illuminé, un peu comme la tour Eiffel. Du coup bah, c'est super joli, donc on s'est vraiment régalé. J'ai goûté un petit verre de Porto. Alors, je connaissais le Porto, mais boire du Porto à Porto, j'ai envie de dire que c'est mythique. C'est comme aller dans la ville d'Adana en Turquie et goûter le Adana Kebab dans la ville d'Adana. Ou c'est comme aller, par exemple, en Bretagne et goûter des galettes bretonnes en Bretagne, quoi. On peut en manger partout, mais voilà. Tester un truc dans la ville auquel le produit est originaire, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, tester du Porto à Porto, c'est fait. Et après, on est parti manger dans une petite cantine là, qui est à l'angle de mon hébergement, qui est vraiment délicieuse et qui pratique des prix pas très chers. Donc, pour l'équivalent quoi, de 13-14 euros, j'ai mangé ce que j'appelle l'assiette du sportif, c'est-à-dire que je me suis pris du poulet, donc le fameux churrasco, mais celui-là, c'est pas le churrasco brasileiro. Donc, le churrasco, pour ceux qui connaissent pas, c'est la viande grillée. Alors, je peux pas dire à la brésilienne, puisqu'on est au Portugal, mais moi, je connaissais ça du Brésil. Donc là, c'est le churrasco do Portugal. Donc, un bon poulet grillé, là, au barbecue, c'est délicieux. Avec du riz, avec des légumes, j'ai fini avec une petite salade de fruits. Donc, un bon petit repas healthy copieux et un café. Donc, j'en ai eu à peu près, pour 13-14 euros, donc ce qui est vraiment pas cher du tout, et j'ai très bien mangé. Maintenant, je suis fatigué. Je pense que les galères techniques m'ont surtout épuisé plus que la journée, puisque quand on se rend compte qu'il y a des galères techniques, on se dit « Oh mince, comment on va faire ?» et tout. Mais bon, comme on dit, tout problème, sa solution. Et puis, comme je vous ai dit, ça me permettra de redoubler de vigilance sur les prochains jours. Et faire attention que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de bug, de son ou quoi que ce soit. Donc, j'essaierai de faire vraiment très, très attention. Et je n'oublierai plus mes batteries. J'espère que vous avez passé quand même un excellent moment. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et demain, nouvelle ville, je vous en dis pas plus, à découvrir. À ciao ciao.